cloud. I like to shout from the rooftops and surf on top of the crowd. Hey, salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous pétez la forme. On se retrouve pour un nouvel épisode de Dans la vie d'un triathlète étudiant. Cette semaine n'est pas une semaine comme les autres, c'est une semaine un peu particulière car si vous me suivez depuis les premières vidéos de cette série, vous saurez que cette semaine est une semaine de compétition et j'ai un triathlon à la fin de la semaine qui s'est malheureusement transformé en duathlon à cause d'algues dans l'eau, etc. Je vous épargne les détails. Donc voilà, c'est un petit peu dommage que ce soit, que la natation soit annulée. Mais voilà, on va quand même essayer de bien du coup faire péter les jambes sur la partie cyclisme et sur la course à pied. Forcément, vous verrez la course ou en tout cas ce que je pourrais filmer de la course à la fin de cette vidéo. Mais sur la globalité de cette vidéo, je vais vous donner plein de petits conseils pour arriver à bien vous préparer pour une compétition. Ce ne seront pas des conseils vraiment liés à l'entraînement. Pour ça, j'ai déjà fait une vidéo où je me préparais aussi pour une autre compétition. Les deux conseils liés à l'entraînement, les principaux que vous devez respecter pour vous préparer physiquement pour une compétition à l'entraînement, c'est 1 l'affûtage et 2 de travailler l'allure de course. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo-ci. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager plein de petits tips, comme diraient les Anglais, que ce soit sur la nutrition, le repos, l'aspect plus mental, etc. pour se préparer pour une compétition. Et le premier conseil que j'aimerais vous donner pour bien être prêt, être bien reposé, être bien en forme pour une compétition, c'est tout simplement à propos du repos. Donc je suppose que ce n'est pas un secret pour vous, mais la récupération c'est super important. Progresser c'est 50% d'entraînement, 50% de récupération. S'il y a un des deux qui ne va pas, la progression n'ira pas. On dit souvent que l'entraînement permet d'apporter une amélioration, une progression potentielle, mais c'est la récupération après quand les fibres musculaires se reconstruisent dans le corps plus précisément et que le corps s'adapte, que le corps devient plus fort, bien forcément que vous progressez. D'ailleurs, essayez de vous entraîner 10 heures par semaine et de dormir 5 heures par jour, 5 heures par nuit plutôt, et vous verrez les conséquences que ça aura sur votre progression. Donc je pense que vous me voyez venir, mais il est vraiment super, super, super important de bien vous reposer au moins la semaine qui précède votre compétition. Alors bien vous reposer, ça veut dire déjà bien dormir pendant vos nuits. Donc voilà, tous les conseils que vous avez déjà pu entendre, dormez au moins 8 heures, même si vous avez besoin de moins 8 heures, ça vous aidera peut-être à mieux récupérer que d'habitude. Si vous avez l'occasion de faire des siestes, peut-être une sieste par jour, faites-en, même si forcément avec l'école ou le boulot, ce n'est pas toujours facile.
Aussi, pour améliorer la qualité de votre sommeil, ça personnellement, c'est un truc qui m'aide beaucoup. C'est tout simplement de 1, peut-être lire avant d'aller dormir et de ne pas regarder vos écrans pendant 3 heures, juste avant d'aller vous coucher. Et aussi de dormir dans une pièce sombre, de ne pas avoir de petites LED qui clignotent, etc. Car ça peut inconsciemment vous perturber durant votre sommeil. Et après le repos, mon deuxième conseil pour bien vous préparer pour une compétition est de tout simplement vous ménager un maximum. Clairement, avant une compétition, vous devez être fainéant. Essayez d'être le plus calme et de faire, entre guillemets, le moins de choses, le moins d'exercices physiques, à part les entraînements que vous devez faire, possible. Il y a une phrase assez connue en triathlon qui dit: si vous pouvez vous asseoir au lieu de rester debout, asseyez-vous. Et si vous pouvez vous coucher au lieu de vous asseoir, couchez-vous, afin de ménager le plus possible vos jambes. Alors certes, nous ne sommes pas des sportifs professionnels, nous avons tous nos obligations, mais essayez de trouver quelques petits trucs pour être un petit peu plus calme qu'en général. Par exemple, si vous lisez au lieu de lire assis, lisez en étant couché, ou plein de petites choses comme ça. Laissez libre cours à votre créativité pour vous reposer un petit peu plus, pour vous ménager un petit peu plus durant votre semaine d'avant-course. Et pour savoir si vous êtes bien prêt au niveau physique et que vous vous êtes bien reposé avant une compétition, il y a un petit conseil, un petit truc qui est tout simplement que lorsque vous montez les escaliers la veille d'une compétition, vous ne devez pas avoir mal aux jambes, tout simplement. Donc voilà, je vais reprendre la bicyclette et rentrer chez moi, et on se retrouve plus tard dans la vidéo pour encore plus de conseils. Voilà, on se retrouve un petit peu plus loin dans la vidéo. Nous sommes actuellement jeudi, je suis assez content car ils avaient prévu de la pluie et il n'y a pas encore de pluie. Pour dimanche, normalement, il y aura de la pluie. Pour la compétition, je croise les doigts pour qu'il n'y en ait pas et que la météo se trompe à nouveau. Donc voilà, ici, je vais continuer de vous partager quelques conseils pour vous préparer pour une compétition. Et maintenant, on va parler de la bouffe, de faire des checklists et du mental. Nous commençons avec la bouffe. Donc quand vous vous préparez pour une compétition, forcément, je suppose que vous vous en doutez, mais il est préférable de ne pas manger McDo tous les jours ou même une fois sur la semaine avant votre compétition. Vraiment, au moins la semaine avant la compétition, si pas même 2 semaines avant votre compétition. Ça dépend un petit peu du niveau vraiment de fitness que vous voulez avoir pour la compétition. Mais c'est assez important, je trouve, de quand même faire assez attention à ce qu'on mange. Donc, c'est-à-dire essayer de ne pas manger trop gras, pas manger trop sucré, enfin des mauvaises graisses, des mauvais sucres, les sucres qui s'assimilent très vite, à part, sauf si vous allez faire du sport juste après. Et surtout de faire des bons pleins de protéines, mais ça, comme d'habitude, quand vous faites du sport, pour réparer les fibres musculaires, et surtout de glucides lents pour faire plein de stocks d'amidon dans vos muscles. Donc, les glucides lents, ça se trouve, je suppose que vous le savez, dans les pâtes, dans le pain, dans le riz, dans le quinoa, etc. Enfin voilà, dans tout ce qui contient, tout ce que vous connaissez être des glucides lents dont on parle souvent. Et c'est préférable de manger des glucides lents complet, donc c'est-à-dire du pain complet, des pâtes complètes, enfin voilà, tout ce qui est complet, tout simplement du riz complet, sur la semaine avant la course, parce que tout simplement, quand c'est complet, ça veut dire qu'il y a des fibres, et les fibres vont ralentir l'assimilation des glucides. Donc en fait, ça va se libérer vraiment très doucement dans votre corps, et ça va aller se stocker petit à petit dans vos muscles. Et de manger à la limite des glucides pas complets, enfin des pâtes, du pain, etc., du riz normal la veille de la compétition qui va passer un petit peu plus vite. Ou bien si vous avez une compétition le soir, le midi, mangez pas des choses complètes mais plus des choses raffinées entre guillemets. Donc voilà, et plus votre course est longue, plus forcément vous devrez essayer de faire de stock de glucides. Maintenant, notre corps n'est pas un réservoir qu'on peut remplir à l'infini.
Du coup, à un moment donné, si vous faites des Alpha Ironman, des Ironman, là, faudra reprendre des glucides pendant la course. Ça, c'était le premier point pour cette partie. Deuxième point, les checklists. Donc, surtout se préparer pour un triathlon. C'est pas la même chose pour un jogging ou juste une course de vélo, entre guillemets, ou juste une course de natation, une compétition de natation. Mais vraiment se préparer pour un triathlon, ça demande quand même pas mal d'organisation, puisqu'il y a le matériel pour la course à pied, le matériel pour le vélo et le matériel pour la natation. Donc voilà, ça vous fait vite le vélo, toutes les affaires de casque, etc. Bon, la course à pied, chaussures plus votre trifonction que vous gardez sur les trois épreuves. La natation, ben, ça fait lunettes, bonnet qui normalement qui est fourni par une organisation. Ben, la combinaison de natation peut-être, etc. Donc voilà, puis plein d'autres petites choses. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur vraiment ce que vous devez prendre lorsque vous allez à un triathlon. Mais voilà, vraiment faire une checklist pour ce que vous devez prendre, pour vraiment ne rien oublier. Ça va vous permettre de vous libérer l'esprit et au moins d'être sûr d'arriver sur le lieu et de ne pas dire « Merde, j'ai complètement oublié mon porte-dossard ou mes chaussures de course ou je ne sais pas quoi. » Et souvent, ce sont des petites choses qu'on oublie qui n'ont pas l'air très importantes. Mais par exemple, si vous n'avez pas votre porte-dossard, votre petite ceinture porte-dossard, vous ne pourrez tout simplement pas faire la course. Donc voilà. Et enfin, troisièmement, le mental. J'en ai déjà parlé un petit peu dans une autre vidéo que je vous mets juste ici. Voilà. Mais je pense que premièrement, il est clairement inutile de stresser avant une compétition. Je sais que parfois c'est les premières compétitions, parfois c'est des compétitions importantes desquelles on attend beaucoup. Mais vraiment, stresser, ça va juste vous fatiguer encore plus, du stress inutile, ça va faire pire que mieux. Par contre, avoir l'excitement de vouloir participer à la compétition et ne pas tous les jours se dire « Oh là là, commencez à stresser » et libérer votre excitement, mais vraiment avoir un bon excitement, une envie de faire cette compétition. Mais vraiment avoir cette envie de faire la compétition que vous gardez un petit peu sous cloche jusqu'au jour de la compétition et au moment où le coup de départ est lancé, vous libérez tout d'un coup. Ça, c'est vraiment, je pense, la meilleure chose à faire, tout simplement. Et donc, comme je vous l'ai dit, inutile de stresser. Dites-vous qu'au pire, même si la compétition ne se passe pas bien, c'est qu'une étape sur votre chemin. Il y en aura encore d'autres, des compétitions. Donc voilà, et aussi, si vous avez des compétitions peut-être moins importantes, au lieu de voir ça vraiment comme quelque chose dont vous attendez beaucoup, voyez-la peut-être plus un petit peu comme un jeu. Je sais qu'il y a des amis qui font ça et ça fonctionne très bien pour eux parce qu'ils font de très bons résultats. Donc voilà, on a déjà abordé les points du sommeil, de la récupération, de la bouffe, donc de l'alimentation plutôt, de la checklist et du mental. Et les derniers points, j'ai encore 2-3 trucs à vous dire. Je vous les dirai lorsque j'aurai fait la course, lorsque j'aurai fait le triathlon qui se transformait en duathlon. Quand je ferai le débriefing, donc voilà, j'essaierai de vous filmer un petit peu la compétition, enfin pas moi, mais quelques autres personnes. De vous filmer un petit peu ma préparation, etc. Et voilà, et je pense que je vous retrouve le jour du débriefing juste après la compétition.
Donc voilà, on se retrouve le soir d'après course. Tout s'est vraiment super bien passé. C'était vraiment génial. Je vais vous expliquer tout ça assez brièvement car la vidéo est déjà assez longue. Mais juste avant, je voulais faire un petit point sur encore 4 petits trucs pour 4 petits tips pour être bien prêt à 100% pour une course. Un truc super important avant une course est d'établir une stratégie. Vous devez savoir en arrivant à une course si vous voulez faire un bon temps et si c'est vraiment une course que vous visez comme un objectif, comment vous allez la gérer. Est-ce que vous allez partir vite, lentement, sur quel rythme vous allez partir en fonction de votre forme, de votre préparation et surtout de la longueur de la course, de la difficulté de la course et de ses exigences. Pour vous donner un petit exemple, donc aujourd'hui le triathlon s'était transformé en duathlon. Je savais que je voulais faire 7 minutes sur les 2 premiers kilomètres de course à pied. Je savais que je voulais tenir 35 km/h sur la partie vélo et ensuite faire tenir 3 minutes 40 du kilomètre sur les 5 derniers kilomètres de course à pied. Je l'ai très bien respecté, je vais vous l'expliquer juste après et c'est pourquoi la course s'est, à mon avis, très bien passée. Ensuite, très important aussi, gardez votre excitement pour la course. Je vous en avais déjà parlé un petit peu avant, mais je sais que souvent, surtout la veille d'une compétition, on a vraiment envie d'y être, etc. On se dit, ouais, j'aimerais bien que ce soit maintenant, etc. Ne vous excitez pas avant, vraiment gardez votre énergie pour la course. Essayez de penser à autre chose avant. Soyez impatient de faire la course, mais gardez votre excitement pour la course pour pouvoir être déchaîné comme un lion, comme une lionne et pouvoir vraiment tout donner le jour de la course lorsque le coup de fusil retentira. Ensuite, une fois que vous y êtes, que le coup de fusil est donné, que le départ est lancé, gérez votre course tout simplement, donc c'est-à-dire ne partez pas trop vite. Si vous avez établi une stratégie comme je vous l'ai dit avant, gardez-vous à votre stratégie et juste sur la fin, si vous sentez que vous vous sentez bien, accélérez, mais vraiment attendez les quelques derniers kilomètres avant la fin pour accélérer. Ça ne sert à rien d'accélérer au début, même si vous vous sentez bien, car vous risquez très fortement de vous cramer avant la fin. C'est un petit peu du negative split, comme je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Gérer sa course, c'est aussi savoir être fair-play avec les autres participants et ne pas s'énerver quand il y a un petit pépin. Voilà, s'il y en a un qui vous coupe le chemin à vélo ou bien qu'il y a un petit truc qui se passe pas comme prévu, ça ne sert à rien de s'énerver. Concentrez-vous sur votre course, soyez fair-play et surtout profitez-en. C'est le dernier point. Profitez vraiment un max de votre course. Souvent, elle passe très très vite. Donc, oui. Soyez concentré sur le temps que vous devez faire, etc. De ne pas aller trop vite et pas non plus trop lentement. Mais vraiment, profitez de votre course. Vous vous préparez depuis très longtemps pour ça. Donc, enjoy. Et une fois que la course est terminée, n'oubliez pas de célébrer ça. Peu importe que vous ayez fait un mauvais chrono ou un bon chrono. La plupart du temps, les courses pour lesquelles on se prépare depuis longtemps et vraiment qu'on pointait comme objectif de saison, et même les petites courses entre amis, on a envie de les célébrer un petit peu après. Donc voilà, prenez un petit peu de temps, relâchez-vous, détendez-vous, rigolez avec vos amis, votre famille, parlez un petit peu de comment vous êtes senti pendant la course et vraiment profitez de cet instant d'après-course pour vous détendre et pour juste profiter du moment car vous verrez, ce seront des excellents souvenirs, ce seront probablement les meilleurs souvenirs de votre vie. Et puis ça fait pas du mal non plus de se relâcher un petit peu après la course. Après toute la période d'affûtage et de préparation, on a fait attention à son alimentation, bien attention à ses entraînements, à son repos, etc. De se relâcher un petit peu, de se faire un petit peu plaisir au niveau de la nourriture, de ce que vous mangez. Voilà, de relâcher un petit peu la pression au niveau des entraînements. Si j'étais vous, la semaine qui suit la compétition, qui suit une course importante, je ne ferai pas de programme tout simplement, s'entraîner au feeling comme on en a envie et voilà pour bien récupérer. Et si c'est la fin de saison, la dernière course de la saison comme ça l'était pour moi, il va falloir, c'est bien d'entrer dans une période de repos, dans la période de coupure de la saison pour vraiment laisser le temps au corps de récupérer. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo.
Donc ma course maintenant vite fait en bref je vous rassure donc voilà déjà quand je suis arrivé donc déjà quand je suis parti j'étais pas très confiant parce qu'il pleuvait et il avait plu énormément la veille, il avait fait assez froid aussi la veille, je suis assez frileux donc j'avais pas envie d'avoir froid sur la course. Mais quand je suis arrivé franchement ça allait, il faisait une quinzaine de degrés, il n'a pas plu du moment où on est arrivé jusqu'au moment où on est parti, il y avait même quelques éclaircies. Bon, forcément, tout était mouillé, mais ça, c'est pas très grave. Donc voilà, je suis allé placer mes affaires à la zone de transition, m'organiser un petit peu. C'est le premier duathlon que je fais, même ça devait être le premier triathlon que je faisais normalement, donc c'était tout nouveau pour moi. Ensuite, je suis allé m'échauffer un petit peu à côté du départ. Je n'ai pas eu le temps d'aller reconnaître le parcours, course à pied, etc. Mais voilà, c'était pas nécessaire. Donc voilà, je me suis échauffé un petit peu. Il y avait un peu de retard, ce qui était pas mal, ce qui m'a assez aidé pour pouvoir m'échauffer un petit peu plus longtemps car j'ai pris assez de temps sur la zone de transition pour préparer mes affaires. Et puis le coup de fusil, enfin le départ a été donné. Donc les 2 km, ben voilà, j'ai gardé mon allure. J'ai fait quand même plus vite que ce que je comptais faire. J'ai fait d'après les organisateurs, 6 minutes 14, je relis mon petit papier. Donc voilà pour les 2 km. Pourtant, je n'avais pas l'impression d'être à cette allure. Mais voilà, puis ben, go sauter sur le vélo. Et là, sur le vélo, je savais plus ou moins l'effort que je devais maintenir. Il y avait vraiment énormément de vent, donc voilà, ça c'était pas ouf. Il y avait un côté dans un sens où il y avait énormément de vent et l'autre sens où forcément on avait le vent dans le dos. Et j'ai eu la chance de trouver un partenaire de course, un gars vraiment super sympathique qui roulait à la même puissance que moi, à la même allure que moi. Et on s'est relayé pendant toute la course, ça nous a vraiment beaucoup aidé dans les parties où il y avait vent de face. Et puis voilà, donc la partie vélo quand même assez rapide, 34 km/h, donc les 23 km en 40 minutes. Donc forcément, il faut se garder un petit peu pour la course à pied qu'il reste. Et ensuite, 5 derniers kilomètres de course à pied. Donc c'était 3 boucles. Pendant les 2 boucles, je garde l'allure que je voulais garder et j'accélère sur la dernière. Et d'après les organisateurs, j'ai fait les 5 km en 15 minutes et quelques secondes, en 15 minutes 34 secondes précisément, mais ça me semble assez rapide car je ne fais même pas ça sur piste, donc à mon avis c'était plus 4,5 km, mais je reste quand même super super content de ma performance car en tout j'ai mis 1 heure et 4 minutes et 44 secondes pour l'entièreté du duathlon. À savoir que je visais 1 h 10 min, donc là voilà 5 minutes de moins, ça me fait vraiment très très plaisir pour mon premier. J'étais quand même assez rapide pour mon niveau sur les transitions, puisque j'ai mis plus ou moins 1 minute à chacune des transitions. Donc voilà, super sensation, super chrono en tout cas pour mon premier, et voilà, super expérience. Donc voilà, course super tout simplement. Ce qui clôture donc la saison assez chamboulée, forcément, hein, avec notre ami Covid-19. Donc maintenant, période de transition et de récupération avant d'attaquer la période hivernale. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter des incroyables triathlètes. Le lien se trouve dans la description. Il suffit de cliquer sur le lien en face de newsletter et d'inscrire votre email pour recevoir chaque matin un email super motivant et plein de bons conseils sur le triathlon. De ma part, c'est gratuit, c'est cadeau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris un grand plaisir à la faire. Il y aura encore plein de vidéos qui vont sortir et du lourd qui va sortir sur la chaîne. Donc je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. N'oubliez pas non plus de lâcher un gros like et même de partager la vidéo pour m'aider à faire décoller la chaîne. Je vous retrouve dans la vidéo de mercredi ou dans la prochaine vidéo ou dans la newsletter. D'ici là, entraînez-vous bien, portez-vous bien, prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin, ciao!